Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Franchement, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages suite à ma dernière vidéo, tous vos messages de félicitations. Vraiment, je vous fais des gros bisous et je vous remercie une par une. Donc j'ai décidé de faire un vlog aujourd'hui. Voilà, j'en avais envie. C'est vrai que j'ai une vidéo recette. Recette de tagine et de pain maison, mais je sais pas, j'avais plus envie de vous poster le vlog que je suis en train de vous filmer là aujourd'hui. Du coup voilà, donc voilà, je sais pas trop ce que vous allez en penser. J'ai vu qu'il y a des filles qui m'ont envoyé des messages en me disant pourquoi tu montres pas ton visage et tout, ils ont pas trop suivi. Donc c'est simplement juste pour rapidement revenir dessus, c'est moi qui ai décidé de ne plus m'afficher sur les réseaux sociaux, enfin de ne plus montrer ma tête, du moins sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas mal cadré ni rien, c'est juste que j'ai plus envie de, voilà, de m'afficher sur les réseaux sociaux. C'est pas pour autant que je vais arrêter les vidéos parce que j'aime trop vous partager un petit peu ce que je fais, des recettes, etc. Donc voilà, donc là ça va être un vlog, je vous explique. On est fin de journée, il est 16h, il fait super chaud. Là je me suis préparée, on va sortir. Mais regardez, la vérité, je vais vous montrer. Oh là là, le cauchemar du linge! Le cauchemar du linge qui m'attend! Regardez-moi! Regardez-moi ça, vous ne rêvez pas. Attendez, j'espère qu'on voit rien de bizarre. Non, c'est que pyjama, chaussettes. Les filles, c'est simple, depuis que j'ai deux enfants, je ne m'en sors plus avec le linge. Clairement, clairement, j'arrive plus à trouver le temps pour m'occuper du linge. C'est un truc de malade. Oh, c'est vraiment un cauchemar là, le linge. Il y a une tonne de linge qui m'attend. Mais bon, pensez que là, je vais plier le linge? Non, puisque je vais sortir. Bref, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Inch'Allah, ça va, c'est du linge propre. En vrai, ça serait du linge sale, je serais déprimée. Les machines, je les enchaîne. Donc ça va, mais c'est vrai qu'après le temps de plier et de ranger, je trouve pas ce temps-là, je vous jure. Bref, là en fait, je vous explique un petit peu. Comme je vous ai dit, je vais sortir en fait, tout simplement, je vais aller chez ma belle-mère. Voilà, on va aller prendre le goûter là-bas. Après, je vais rentrer à la maison. J'ai sorti un poisson, je vais faire du poisson pour ce soir. Par contre, j'ai pas de persil, il faudrait que j'aille acheter du persil. Et des trucs pour faire une salade. Je mets du poisson salade. Franchement, ça passe bien avec cette chaleur. Donc, je vais vous partager un petit peu ma marinade de poisson. Il me faut du poisson, du persil et du citron, Inch'Allah. Oui. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, c'est tout, hein. De toute façon, je vous emmène avec moi. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Les filles, je vous fais un petit retour vite fait sur cette crème teintée. Pour celles qui avaient suivi, je vous l'ai montré quand je l'ai achetée. Mais pourquoi ça ne veut pas faire ma mise à jour? Attendez, mince. Attendez, voilà. Voilà, donc cette crème teintée de chez Avène. Donc, je vous l'avais montré quand je l'ai achetée et je vous ai dit qu'elle est trop claire et tout. Franchement, au final, c'est nickel. Une fois que je la mets sur ma peau, c'est pas du tout trop clair ni rien. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'en pense? Je l'utilise depuis quelques jours, hein, mais bon, elle est bien, quoi. Dans le sens où, moi, j'aime pas les crèmes quand vous les mettez. Ça marque un peu, vous voyez les points noirs, ça marque un peu la peau sèche et tout. Non, pas du tout. Elle marque pas toutes les zones de sécheresse. Voilà. Donc voilà pour le petit retour sur cette crème. C'est de chez Avène en fait. C'est une crème teintée de chez Avène que j'ai achetée en pharmacie. J'essaie de poser le téléphone pour vous montrer ma tenue, mais c'est une robe que vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà vue. Donc j'ai mis un petit hijab beige avec cette robe, une robe bleu clair comme ça et blanc. J'aime beaucoup, elle vient de chez Shein. C'est de l'année dernière avec les manches bouffantes. Et voilà, je vous l'avais déjà présenté, mais bon, je vous remonte vite fait. Ma tenue. Voilà, j'ai mis ça avec des petites sandales aussi de chez Shein. Et voilà. Je m'étais mis des petites ongles comme ça, vous aimez? Regardez, je vous montre un peu de près. Je les ai pris chez Action. Franchement, ça fait le job. Je trouve que ça fait des jolies mains. Voilà, des petits ongles nude avec des petits traits colorés sur chaque ongle. Donc voilà, donc là, go passer acheter de la salade pour accompagner le poisson, le repas de ce soir. Et je vais vous partager du coup le repas. Du coup, c'est le poisson, une dorade au four avec des petits légumes. Je vais faire un accompagnement des poissons. En plus, un repas équilibré, parfait pour mon rééquilibrage alimentaire. Voilà, voilà. Et je vous ai pas montré le sac que je portais, c'était celui-ci, il est trop joli, pareil de chez Shein. Par contre, il est un peu grand, honnêtement. Il est un peu grand, mais franchement, je le trouve trop beau. C'est trop mes sacs préférés, ça. Genre, effet matelassé avec une chaîne comme ça, j'aime trop ce style de sac. Voilà, je mets souvent ce style-là.
Bref, je suis rentrée à la maison, je vais me changer. Moi, je suis rentrée à la maison, je vais me changer et attaquer le repas. Donc, j'avais sorti le poisson, là, comme vous voyez. Là, je pense qu'il est bien décongelé, ouais, avec la chaleur de toute façon. Et je vais vous montrer comment je vais assaisonner mon poisson, le mariner et puis également préparer du coup des petits légumes avec. Bon, je pense que je vais faire aussi quelques beignets d'aubergine parce que je vois qu'elle est en train de pourrir, ma petite aubergine, si j'ai le temps. Parce que j'entends le bébé se réveiller. Donc on verra si je peux faire tout ça. Alors go, on passe à la préparation de la marinade. Je vous ai mis en voix off parce qu'il y avait pas mal de bruit autour de moi. Donc j'ai mis dans un bol une poignée de persil frais. J'ajoute en termes d'épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du paprika et du gingembre. Voilà, le gingembre n'en mettez pas trop. Moi je trouve que j'en ai mis légèrement trop. Voilà, juste une pointe, ça suffit. Ensuite, si vous avez de l'ail, je vous recommande de l'ail haché, deux gousses d'ail. Malheureusement, je n'en avais pas. Du coup, ben, j'ai fait sans, c'est pas grave. Et ensuite, on va rajouter également de l'huile et du citron. Voilà, donc le jus d'un demi-citron environ. Enfin, pas totalement un demi-citron, mais quand même, il faut en mettre pas mal. Voilà, ensuite, encore une fois, en fonction de vos goûts. Moi, j'aime bien quand le poisson il est bien citronné. Et de là, on rajoute un petit peu d'eau. On va remuer le tout. Et c'est tout, en fait. Notre marinade est prête. Ensuite, on va venir faire des petites entailles sur le poisson et on va venir mettre notre marinade. Donc voilà, vous faites bien rentrer la marinade dans les entailles, à l'intérieur du poisson. Vous en mettez bien de partout. Voilà, moi j'ai fait avec la cuillère parce que je ne voulais pas trop tacher mes ongles. Mais du coup, sachez que si vous faites cette marinade et vous mettez sur votre poisson, vous pouvez très bien mettre du cellophane, laisser au frais, le faire le matin et le faire cuire que le soir. Comme ça va bien s'imprégner, ça sera encore meilleur. Moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait vraiment à la dernière minute. Du coup, les filles, je laisse tomber l'aubergine, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je vais les faire cuire. Là, j'ai découpé les carottes comme ça en lamelles, je vais les faire cuire à la vapeur. Pareil pour les pommes de terre, je vais les faire cuire à la vapeur. Le poisson, il est au four, je vous ai montré la marinade. En plus, je suis dégoûtée, regardez, j'avais du citron frais, j'ai mis du citron en jus, mais c'est pas grave. Et après, vous voyez, j'ai gardé un peu de marinade là. Et je vais la mettre sur mes légumes. Et en fait, voilà, je vais rajouter des olives et tout. Et franchement, c'est un plat simple à faire, on va dire, ça va quoi. Et je vais faire une petite salade avec ça. Voilà. Désolée, j'ai pas mis le trépied et tout comme je suis un peu dans le speed. Oh là là, les filles. Bon, du coup, franchement, c'est tellement le rush. Je vous explique. Là, mes petites carottes, vous voyez, j'ai mis un petit peu de marinade de tout à l'heure. Je vais les faire revenir vite fait parce qu'elles sont cuites. Pareil pour les pommes de terre, elles sont juste ici. Je vais mettre un petit peu de marinade par-dessus et je vais les faire revenir vite fait. Voilà, on en est où? L'état de ma cuisine, je vous raconte même pas. Je crois que c'est la première fois que je recuisine. J'ai décidé de filmer un vrai plan, on va dire, depuis que j'ai accouché, parce que franchement, à la cuisine, j'ai beaucoup moins de temps. Voilà. Et du coup, quoi d'autre? Voilà. Hein. Donc là, je fais revenir les pommes de terre. Et j'ai oublié de vous dire, mais si vous avez de l'ail, vous mettez de l'ail. Là, ça, c'est bon, c'est fait. Je vais mettre les pommes de terre à côté, après, je vais servir. Ça paraît une petite salade. Et voilà. Ok, je vous montre, franchement c'est le bazar. J'ai chaud, vous savez, j'ai même pas eu le temps de le changer. Et j'insiste pour filmer, hein. Donc, franchement j'abuse. C'est pour ça que je vous dis qu'Instagram c'est plus pratique. Bon, je suis débordée, mais c'est pas grave, c'est normal. Au final, je vous ai pas montré, mais j'ai enlevé le poisson et j'ai rajouté des petits oignons. Parce que je me suis dit que j'avais peur qu'il colle. Voilà. Après, l'oignon, je vais quand même le servir. Hein, je me dis ça pour faire. Enfin, c'est bon, quoi. L'oignon aussi, comme ça. Un peu caramélisé, vous voyez.
Bon, après, je sais, la tête du poisson, il y en a qui aiment bien l'enlever, qui me disent à chaque fois, pourquoi t'as pas retiré la tête du poisson et tout, mais nous, on la laisse, la tête du poisson. Dites-moi, vous les filles, vous retirez la tête du poisson ou vous la laissez? Quand vous cuisinez un poisson entier comme ça. Je sais pas, moi, j'ai toujours vu ma mère la laisser. Et mon exemple, c'est ma mère, donc voilà. Donc voilà le résultat du plat. Miam, miam, du bon poisson avec des petits légumes. Préparer la salade. Et voilà, cuisine rangée. Bon, clairement, la vaisselle a débarrassé, ça attendra demain. Faut juste que je remette le trépied à sa place, Inch'Allah. Et voilà, et là, je vais faire quoi? Les petits, c'est bon, ils dorment. Je vais prendre une bonne douche. Voilà, je vais préparer un bon petit pyjama. Je vais me prendre une bonne douche. Je vais faire mes soins du soir. Je vais vous montrer vite fait les soins que je suis sur mon visage en ce moment. Et au dodo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai ce babyphone. Ce babyphone que j'avais acheté sur Amazon. Franchement, il est super. C'est cette marque-là, Nuwe. Et en fait, ça me permet ben voilà, quoi, d'avoir tout le temps un œil sur le bébé. Ça me permet d'avoir un œil, c'est un babyphone caméra, vous voyez. Il est super, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, du coup, je vous montre les produits soins que j'utilise chaque soir avant de dormir. Donc, après m'être démaquillée le visage, je viens me laver le visage avec ça. C'est une mousse nettoyante que j'ai achetée à Action, à la noix de coco. Et franchement, elle est bien. Elle enlève un petit peu quand il me reste un peu de maquillage, ça enlève, elle sent bon et tout, c'est agréable. Voilà. Numéro 1, je fais ça, ensuite je me sèche le visage et je mets mon sérum. Donc en ce moment j'utilise un sérum comment ça s'appelle, dépigmentaire en fait, parce que j'ai attrapé des taches brunes au niveau de mes pommettes. Je pense que c'est dû à la grossesse, mais voilà, moi je suis sujette aux taches brunes et là j'en ai attrapé pas mal. Du coup ça fait déjà quelques mois, on va dire 2-3 mois que j'utilise. J'avais commencé à l'utiliser quand j'étais encore enceinte. Donc c'est celui-là de la marque Eucérine. C'est ce sérum du coup de la marque Eucérine anti-pigment. Apparemment il est top. Donc pour le moment je ne vois pas trop d'effet, mais ça fait pas assez longtemps que j'utilise. À voir sur le long terme, Inch'Allah. Voilà pour le sérum. Ensuite j'utilise un contour des yeux. C'est celui-là. C'est un contour des yeux. Franchement je l'ai pris un peu au hasard celui-là. Je l'ai pris sur internet. La marque c'est Adida. Atida. C'est un contour des yeux éclaircissant. Voilà, donc ça c'est pour hydrater la peau, rafraîchir un peu et réduire les rides. Pas les rides, réduire les cernes, pardon. Alors bon, ça fait pas assez longtemps que j'utilise pareil pour le moment. J'ai toujours des grosses cernes, clairement. J'utilise toujours mon petit truc pour faire pousser les cils. La marque c'est The Ordinary. Ça fait des mois que je l'ai. Enfin, ça fait vraiment longtemps que je l'ai et j'aime bien. Celui-là, il fonctionne. C'est un sérum pour faire pousser les cils. J'utilise la vaseline pour hydrater mes lèvres à la coco, au beurre de coco. Ça se voit que je suis fatiguée. Au beurre de coco, je pense que ça s'appelle comme ça. Bref. Non, ça s'appelle pas comme ça. Enfin bref, vaseline pour mes lèvres. Et ça, c'est une crème. Bon, c'est pas cette marque. Celle-là, je l'avais finie. Sienne, j'ai mis une autre. C'est Eucérine. Non, CeraVe, pardon. C'est juste que, en fait, le pot était trop gros. Donc, je l'ai mis ici. Et voilà, bon voilà ma petite routine. Franchement, je suis crevée, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite douche tranquille. Et je vous retrouve demain sûrement pour vous dire au revoir, Inch'Allah. Parce que là, je suis trop fatiguée. Je vous retrouve le lendemain pour la suite et fin de cette vidéo. Hier soir, j'étais KO, clairement. Franchement, j'avais zéro énergie. Ça y est. Le repas que j'ai préparé, on dirait, j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis un truc de malade alors que bon, c'est un truc simple quoi, mais bon voilà. Mais franchement, il était super bon le poisson, autant vous dire qu'on s'est régalé, on a tout mangé, alhamdoulilah. C'est parfait avec une petite salade comme ça, franchement, quand il fait chaud comme ça, t'as juste envie de manger des petits trucs légers, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah là, c'est le lendemain, franchement, je suis partie au marché, j'ai acheté des petits fruits, des petits légumes. Comme en ce moment, je fais attention à ce que je mange. Donc là, il me reste une semaine avant que je me pèse par rapport à une date que je m'étais donnée. Du coup, je vais me remettre à fond parce que ces derniers jours, je m'étais un peu relâchée. Donc je vais me remettre à fond entre guillemets à ma façon, hein, parce que c'est pas vraiment un régime que je fais, c'est juste je mange des fruits, je mange des légumes, j'essaie de diminuer au maximum le sucre. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, petite précision, tant que j'y pense, par rapport à mes ongles, donc c'est des faux ongles que j'ai mis, juste pour
Pour information, j'ai mis des faux ongles tout simplement parce que je ne prie pas en ce moment. Voilà. Parce que souvent, dès que je mets des faux ongles ou du vernis ou quoi, on me dit, ah, pourquoi t'as mis des faux ongles? On peut faire les ablutions avec des faux ongles, on peut prier avec des faux ongles. Donc voilà. Moi, je veux pas induire en erreur, de un. Et de deux aussi, la chose très importante que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas du tout un exemple. Voilà. Franchement, je suis pas du tout un exemple à suivre. Voilà. Voilà, voilà les filles. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous retrouve très vite. Ah oui, avant de finir la vidéo aussi, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les vlogs, comme cette vidéo-là que je vous ai montré, genre ma journée d'hier et tout en mode, ou que recettes? Voilà. Ou des fois j'alterne. Je pense que je vais alterner. Là, la prochaine vidéo, ça va être une que recette. Après, ce sera un vlog. Vous voyez, je pense que je vais alterner. Moi, dans mon envie, c'est ça. C'est de faire des fois des vlogs, des fois que recettes. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et voilà, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris au marché vite fait quand je rentre à la maison. Allez, bisous. Bon, du coup, je vous montre ce que j'ai pris ce matin au marché. J'ai pris un bon morceau de pastèque. Regardez, franchement, elle donne trop envie. Je vais la mettre au frais. En plus, c'était 99 centimes le kilo. Donc, j'ai payé 2,50 € pour un gros bout comme ça. Ça vaut grave le coup. Honnêtement, les filles, les fruits et légumes. Voilà, bon, j'ai pris que des fruits, moi. Les fruits et légumes dans les magasins, dans les marchés, c'est plus intéressant qu'au magasin. Parce que franchement, au magasin, c'est super cher. Faut dire la vérité. Maintenant, tout est cher. C'est hors de prix. Donc, regardez s'il y a un marché autour de vous ou quoi. Mais même si quitte à rouler un petit peu, genre si ça a 10 minutes ou quoi, mais ça vaut le coup d'y aller que d'aller au magasin, clairement. Bref, de là j'ai pris des petites pommes, donc ça c'est vraiment mes pommes préférées, les Granny je crois ça s'appelle, elles sont acides, moi j'aime trop tout ce qui est acide, donc j'ai pris un bon sachet, ça va être les pommes de quand j'ai un petit peu faim, quand j'ai envie de manger un truc comme ça, pour calmer la faim, la pomme je trouve que ça calme bien la faim, d'ailleurs la pomme mélangée à de l'eau, ça calme direct la faim, enfin pas la pomme mélangée à de l'eau, mais genre je mange une pomme et je bois 2-3 verres d'eau, je sais que j'aurai plus faim. De là j'ai pris des petites pêches. Voilà, j'aime trop, c'est vraiment mon fruit préféré, clairement. J'ai pris une petite barquette de fraises et une botte de menthe. En fait, ça, c'est pour faire la photo pour mon fils pour les 1 mois, Inch'Allah. Hier, il a fait 1 mois et du coup, je fais la photo mois par mois. Je vais faire la photo comme j'avais fait pour le plus grand. Vous savez, je vous mettrai une petite image pour vous montrer le style et je vais faire ça avec menthe et fraises. Bon, bien sûr, je vais les manger, quoi. De là, j'ai pris des petites gaufres. Donc, ça aussi, ça vaut le coup. C'était un vendeur, en fait, qui vendait des gâteaux et tout ça. Donc c'était le lot de 10 gaufres. 10 gaufres comme ça au sucre pour 2 euros. Elles sont grosses quand même. Et voilà. Donc ça c'est pas pour moi. Hein. Mince. Hop, après peut-être que je vais en manger une ou quoi. Mais c'est vrai que c'est trop. Ça c'est trop sucré. Et ensuite, regardez, j'ai trouvé un vendeur qui vendait des claquettes. Des petites claquettes. J'ai pris ce modèle, j'ai bien aimé. Elles sont noires, simples. Voilà, les filles, pour sortir vite fait comme ça, pour cet été, elles étaient à 5 euros. Donc, ça vaut grave le coup. Du coup, je me suis pris une petite paire. Et voilà. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, cette nouvelle recette que je vous ai partagée également. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Bisous, salam alaikum.